Salut à tous, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play Portal, et on... qui est tourné à la suite du premier d'ailleurs. Et on va tout de suite dans la salle numéro 8. Petit rappel pour l'épisode 1. On est parcouru les 7 premières salles d'une facilité impressionnante. Ce qui m'a vachement intrigué parce que je ne me souviens pas à me mettre. Alors c'est aussi rapidement, mais bon. Voilà. Donc. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisante sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Je sais comment ça marche. Alors. Voilà. Bon, on va faire ça. Non, on va faire ça en fait. Là, ça passe pas encore les portes à l'orange. Sachez que si on meurt. Oui, d'ailleurs, je me pensais, si je meurs, j'essaierai de mettre un petit cadran en haut avec moi, c'est mon montage. Un petit cadran avec le nom de mort. Très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Mais oui. Alors, pour information, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Portal, ça c'est GLaDOS, je ne dirais rien de plus à part le fait qu'elle s'appelle GLaDOS. Et que c'est elle qui fait le test. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Oh, c'est gentil ça. Dog life. Oh, dog life. Cette salle de test est hors service. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Oups. Alors, pour information, non, je peux pas passer les cubes, et dès que je passe, ça va se tuer. Oui, c'est toi. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Mon ascenseur personnel. Oh. Nous allons vers la liberté. Ah, voilà. Enfin. Rebonjour. Nous devons renouveler notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise. Je te calme. Oui. Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. La dynamique des rollers. Excusez-moi, plus de respect. Alors, donc oui, pour information, quand vous sautez dans un portal, c'est pas ce que la dynamique, procédé de passer de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit,
Ce qui entre rapidement sort rapidement. Voilà, elle aurait su bien expliquer avec moi. J'ai la tête qui douce. Allez. C'est fini. Ils engagent à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Là, c'est du conseil. Tu mets du temps à gérer ces portails là. Alors, on chope la plateforme. Générateur de portail, deuxième réussi. Le générateur a été modifié de manière à créer simultanément deux portails reliés. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la santé des habitants de la ville du sujet. De la ville du sujet. Ça fait rigoler. Allez, on se dépêche. Little boy. J'aime bien le petit rond d'aperture. J'aime bien la petite musique sur le passage. Voilà. J'ai juste allé faire quelque chose. 5 salles, c'est trop rapide. Je suis seul à avoir raconté. Oui! C'est quoi ce bug de... d'affichage? Ah, merci. Qu'elle like la dose. Pourquoi bug-t-elle ainsi? Oh, excuse-moi, j'ai un petit chat qui fait ses griffes. Alors, nous faisons cette salle. Et ensuite, je pense. Oh! Cette salle est horrible. Vous contrôlez désormais les deux portails.
Le test qui suit peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous enverrons une sonde d'intubation contenant de la toxine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Alors, du coup, là, j'ai la salle. Alors, ici, c'est... Ce salle est une bâtardise illégale. Ça, c'est facile. Ah, c'est ce que vous me direz. Là, je bloque. Super. Oui! Scheiße. Que j'ai fait? Aïe! J'en ai de groseilles. Alors. Dans cette salle, elle a la particularité d'être assez bâtarde. Puisqu'en fait, je joue pour la première fois. Ah non, de glitch. En fait, je partais du fait qu'il me fallait un deuxième tube. En fait, non. Il faut juste viser là-dedans. Et passer. Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Quoi, il dit ça? Pourquoi dit-elle ça? Parce que quand je jouais, voilà, comme moi, seront, mais j'aime bien mettre le petit suspense. Du coup, on va mettre fin au record de là, et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde. Peace!